Eh bien salut tout le monde, 5ème S3, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo information pour vous parler d'un membre de Lizard Squad qui s'est fait interviewer sur la chaîne anglaise Sky News. C'est passé à la télé anglaise, donc pour l'instant je pense que ça va passer aussi à la télé française l'interview. C'est un membre de Lizard Squad, donc vous allez voir sa tête à l'instant à l'écran. Et dans cette interview il dit qu'ils sont que 3 orchestrer l'attaque. Donc 3, ils ont reçu l'aide d'un couple de personnes extérieures en groupe, mais la plupart des trafics venaient d'une à deux personnes. C'est là qu'on se dit c'est quand même bizarre quand même, parce que s'ils arrivent à 2, ça ferait quoi à 1000 quoi. Enfin, c'est un peu chaud. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça tout simplement pour le fun. Et ils ont dit aussi un truc qui m'a vraiment étonné. Ils ont dit que les gamers ont rien à faire d'autre que jouer à Noël. Et on voulait les faire chier, en gros c'est ça. Enfin, c'est ça qu'ils voulaient faire dire. Mais lui il dit ça alors qu'il est resté tout Noël devant son PC à lancer des attaques. Après, ce que je vous dis c'est par rapport à l'interview, hein. L'interview, enfin peut-être que c'est pas un mec de Lizard Squad, mais normalement c'est un mec de Lizard Squad, ça correspond à ce qu'il dit, etc. Faut savoir que il y a plein de comptes Twitter fake de Lizard Squad. On peut pas savoir, même les comptes d'Anonymous, on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Alors si vous voulez des informations, fiez-vous à la télé, parce que ce qu'ils disent en général c'est des trucs fondés, hein. Pas BFM TV, des fois ils disent un peu ce qu'ils voient, hein, parce que par exemple j'ai vu le compte de Lizard Squad Crucifix là, donc le compte fake passé sur BFM TV, je me dis mais c'est quoi ce délire, parce que c'est vrai qu'ils ont plein de comptes fakes, même Lizard Mafia, on n'est pas sûr que c'est un vrai compte, même si s'ils ont un compte Twitter ce serait Lizard Mafia, mais sinon il y a les autres, c'est que du fake. Mais bon, en tout cas pour ma part, le PSN il marche, il a marché hier le 27 minuit 1h, il a marché avec les MTU, et là je me suis connecté ce matin sans les MTU et ça a marché, mais le GTA Online ne marche pas, Code AW ne marche pas. Donc voilà, après les attaques des DOS ont arrêté je pense, enfin on sait pas encore, mais perso je vais rester connecté parce que je me suis déjà fait avoir comme ça hier après-midi, je me suis déco et j'arrivais plus à me reco, donc je vais rester connecté et puis on verra ce que ça donne, mais voilà, donc vous voyez que il dit qu'ils sont que 3, bon perso s'il dit c'est que ça doit être vrai, mais c'est quand même c'est un truc de fou quand même. Je vous mets le lien de l'interview dans la description. Donc voilà, bien sûr elle est en anglaise, hein, mais on voit un mec qui parle directement en facecam avec le mec de Lizard Squad, tout ça, il pose des questions, etc. Je vous envoie le lien aussi d'une traduction, en gros le résumé de l'interview. C'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, si vous n'arrivez pas à vous couper sur le PSN, soit il faut assister, mais bon, ça en général ça ne marche pas trop. En tout cas, je vous mettrai des Twitter dans la description pour vous informer des informations 24h/24, on va dire. Sinon, la technique des MTU marche toujours aussi bien. Mais moi j'ai réussi à me connecter sans, mais avec normalement vous connectez facilement, ça dépend après, des fois Sony en maintenance, comme hier le 27 il était en maintenance. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une petite vidéo information. Donc je répète, les liens sont tous dans la description, allez regarder la description pour voir l'interview. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était votre KMS3, je vous laisse, ciao ciao.